Michael Kennedy est déjà rédacteur en chef de la célèbre revue Climbing quand il commence une impressionnante série de premières en Alaska. Du 19 au 22 juin 1977, il ouvre avec George Lowe une voie de 2200 mètres côté 6 dans le système en vigueur en Alaska, sur la face nord-ouest du mont Hunter à 4442 mètres. Quelques jours plus tard, la cordée récidive à la face sud du Foraker à 5303 mètres. Leur voie, Infinite Spur, ouverte du 27 juin au 3 juillet, est une des plus célèbres du massif. Directe, élégante, haute de 2800 mètres, elle présente des difficultés techniques élevées, y compris en rocher. En 1978, avec George Lowe, Jeff Lowe et Jim Donini, ils participent à la plus fantastique tentative jamais menée sur l'éperon nord du Latok 1 à 7145 mètres au Karakoram pakistanais. La cordée parvient à 100 mètres du sommet. Malgré de nombreuses tentatives, cette voie est encore vierge. Au Népal, Michael Kennedy innove à Lama d'Ablam avec la première en hiver de la difficile face nord-est, en compagnie de Carlos Buller. Parmi les ascensions de Michael Kennedy, on notera le célèbre Wall of Shadow sur le North Buttress du mont Hunter, réussi en 1994 avec Greg Child, président du jury des Piolets d'Or en 2010. Michael Kennedy est aujourd'hui rédacteur en chef de la belle revue Alpiniste. Il est président du jury des 20e Piolets d'Or. Valérie Babanoff a fait irruption sur la scène alpine en 1998 avec l'ouverture d'une nouvelle voie dans la face ouest des Drus avec Yuri Kochelenko. Dès lors, il occupera le terrain au point que sa carrière, distinguée par 3 Piolets d'Or, est une longue suite de réussites. Première de Eldorado en solo au Grand Joras en 1999, la face nord du Kangtega en solo en 2000, une voie au Meru en solo en 2001, du pilier aussi sud-est du Nuptse avec Yuri Kochelenko en 2003. Son chef-d'œuvre reste l'ouverture d'une voie sur le pilier nord-ouest du Janu en 2007 avec Sergueï Kofanov. Cette voie élégante et difficile est sans doute une des plus belles réussites du style alpin en Himalaya. Il confirme son talent d'himalayiste, adepte du style alpin, en ouvrant coup sur coup deux voies sur le Broad Peak et le Gashorbrom 1 en juillet et août 2008. Au-delà de ce palmarès, Valérie a su toucher le monde de l'alpinisme par sa gentillesse, son énergie et son enthousiasme. Inès Papert s'est fait connaître par l'escalade et la compétition de glace où elle a remporté la Coupe du Monde à 4 reprises. Une fois passée l'époque des podiums, elle se tourne vers les parois rocheuses ou glacières. Elle inscrit ainsi à son palmarès des voies extrêmes du pilier nord de l'Eiger, puis réussit en 2006 le parcours en libre remarqué de la voie Camilioto Pellissier à la face nord de la Cima Grande di Lavaredo. Dans cette voie ouverte en artificiel, en 8A+, la protection est assurée par des spits de 6 mm vieux de 40 ans. Le chemin d'Inès passe par des cascades difficiles et isolées au Canada comme Icefall Brook, du rocher extrême au Logan Mountains, où elle ouvre une voie en 7C+, en passant par l'escalade mixte écossaise, si particulière, où elle réussit de belles performances. En 2009, elle ouvre en hiver une voie difficile à la face nord du Kwangde au Khumbu, en compagnie de Corey Richards. L'été dernier, elle a découvert une voie glaciaire extrême au Great Wall of China en Kirghizie.
Alberto Inurrategui, né en 1968 à Rechabaleta, village de la province du Guipúzcoa du Pays basque espagnol, fait partie des himalayistes mondiaux qui s'engagent toujours aujourd'hui en style alpin sur les plus hauts sommets. Avec Jean-Christophe Lafaille, en mai 2002, il réalise l'aller-retour au sommet de l'Annapurna par la longue arête Est et devient du même coup le 10e homme à avoir gravi sans oxygène les 14 8000. Le public français l'a d'ailleurs mieux découvert l'année suivante à Paris, car cette ascension avec Lafaille fut nommée à la 12e édition des Piolets d'Or. La carrière est désormais bien longue, avec notamment une ascension de l'arête nord-ouest du Gachorbrum 4, très peu réalisée. L'an passé, il réussit une troisième traversée historique et intégrale des sommets du Broad Peak au Pakistan, en style alpin avec Juan Valero et Mikel Chabalcha. Inurrategui est cette année pierre d'angle du jury des 20e Piolets d'Or. Le chinois Liu Yong est un explorateur et alpiniste passionné de Chengdu, Sichuan. Il a grimpé, voyagé et fait ses études aux États-Unis. Il connaît également les Alpes, le Népal et l'Asie du Sud-Ouest. Diplômé de l'université de Chengdu, Liu exerce la profession de guide de haute montagne. Il est aussi un spécialiste de la nutrition en haute altitude et représente la nouvelle génération d'alpinistes chinois à l'œuvre sur leurs moult sommets. Alessandro Filippini, journaliste milanais, a travaillé pour Tutto Sport et la Gazzetta dello Sport en tant qu'expert pour l'alpinisme et les Jeux Olympiques. Il a suivi activement la course aux 8000 de Reinhold Meissner, avec lequel il travaille depuis longtemps. Co-rédacteur en chef, il a pris en charge la réalisation du supplément hebdomadaire de la Gazzetta, auparavant magazine et aujourd'hui Sport Week, et du site internet. Il est aussi l'auteur de plusieurs productions vidéo des plus célèbres alpinistes italiens. De Riccardo Cassin à Walter Bonatti et Reinhold Meissner, il a toujours travaillé avec les grandes personnalités de la montagne.